même, Zoïko. Salut, Babette. Vous parlez toute seule? Good morning, Artemis. Good morning. Comment va votre squelette aujourd'hui? Quelques picotements à l'humérus. Mais pas les temps qui courent. Ah, pour courir, il court. Moi, c'est les rotules. Les rotules? Elles ne tournent pas rond, les rotules. Elles ne tournent même plus du tout. Un vague bruit de girouette de temps en temps dans les ténèbres. Vous devriez vous orienter à l'est. Signe avec les rotules. Quoi encore? Mon petit juif, partant de rage, il me flamme des courts-circuits, mon petit juif. Je ne suis plus qu'une pile électrique. Ah, si encore, ça pourrait me faire flamber. Allô, allô. Et puis, pour tout vous dire, je suis à l'étroit dans ce putain de cercueil. Mais vous me l'avez déjà dit. Coincé, rogné, limé, élimé, réduit aux acquis. Encore un coup de ma famille. Tous des salauds, tous des... Je sais, vous m'avez raconté. Vous vous en foutez? Vous nagez dans le chêne. Je nage? Oh, je nage! Ils n'ont pas les idées sur la dépense. Avec mon argent. Votre argent, votre argent. Une fois qu'à l'enjeu, même si c'est notre argent, indiquez-moi le bureau de change. Tenez, ce salaud d'Alphonse, feu mon mari. Faisons parler, c'est plutôt nous qui sommes de magie. Il dilapide les noms du trésor. Il continue de cavaler en terre ferme, à faire le joli cœur du rond de jambe à sa belle-sœur. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si je comptais tout le beurre. Je le vois. Comme si j'y étais. Comme si je sais. Vous m'avez déjà raconté. Mais il ne perd rien pour attendre. Ça. Avec tous ces antibiotiques. Certes, nous ne pouvons pas nier la démographie galopante. Maintenant, les hommes, non seulement prolifèrent comme des morpions, mais n'en finissent pas de mourir. Oh, des morpions qui vont faire Rome. C'est vrai. Le train de Rome, la flèche bleue. Oh, mes larmes. Padova. Torino, San Gimignano, Rome! Rome! Ça va très très mal en Italie. Et alors? À supposer que ça aille encore plus mal. L'Italie. C'est l'Italie. Oh, vous, vous êtes indécrottable. Indécrottable? Votre optimisme, même à 7 pieds sous terre. Et pourquoi je ne prendrais pas la mort du bon côté? Et quel rapport avec l'Italie? Ah, c'est pas seulement l'Italie, c'est pour tout. Par exemple? Pour tout, je vous dis. Vous plongerez dans l'huile bouillante, vous chubileriez comme une frite. Oh, les frites! Alors que nous sommes là, toutes les deux, on vous dit tant à attendre, à attendre, à faire la queue. Oh, vous employez de ces expressions. Il y en a des milliards de Des milliards de morts, de tous les sexes et de toutes les couleurs, et qui marinent là, dessous, dans leur jus, depuis des siècles. Et le jugement dernier, toujours retenu par un grec. Oh, la Grèce! Si ça se trouve, on attend pour des fruits. Vous êtes là, étirez votre squelette, à saluer le fœtus à nouveau jour, alors que le roi de Prusse continue d'astiquer ses bottes! Il faut avoir les reins solides. Mais vous flanqueriez le cafard à toute l'armée du salut.
ici, d'où nous sommes, nous ne pouvons jeter un regard objectal. Écoutez, Babette. Voilà 9 mois que je vous supporte. Moi aussi. Que je suis votre voisine de cercueil. Je préférais un juge. Et comme cette situation risque de s'éterniser, je me tue à vous dire. Mais si dès lors, vous vous mettez à m'origéner, à pousser des jérémiades. Ben attends, je ne suis pas marrante. Je n'ai jamais été marrante dans le civil. Pas de raison que ça change maintenant où j'ai plus un gramme de viande sur l'oral. Vous pourriez tenter un effort, vous améliorer. Profitez de cette halte pour recycler votre mental. J'éprouve parfois la sensation que tout ce temps, souvenez-vous comme nous n'avions jamais le temps, que tout ce temps nous est donné pour avoir le temps précisément. Mais le temps de quoi? De nous retourner. De nous retourner dans la tombe. Je vous en prie, madame, ne secouez pas un son qui s'élève au ciel. Votre rire me glace les sang. Je veux bien le temps de prendre conscience de nos fautes, des erreurs que nous avons commises durant notre vie. Ah, ça, d'avoir épousé Alphonse et de nous transformer mentalement, bien sûr, mentalement, de nous rendre meilleurs que nous n'étions et... Merci, vachement. Et ainsi, lorsque nous nous présenterons devant le sacré tribunal, de porter ce jour-là une robe qui ne soit pas tout à fait noire. Sacré Artémis. Dites-moi, vous avez été levée au couvent des oiseaux ou à cette famille? Bon, je ne dis plus rien. Bouche cousue, maxillaire. Un corbeau. Ça, c'est bouquet. Il se fout de notre gueule, non? Et en quoi se foutrait-il de notre gueule? Il croasse, tout simplement. On ne devrait pas tolérer les corbeaux dans les cimetières. Mais pourquoi donc? De mauvais augure, ces oiseaux-là, toujours peints en noir, qui portent le deuil avec insolence. Le deuil et la poisse. Mais qu'allez-vous chercher là? Présage de mort. Mais nous sommes mortes, mon petit rossignol. Mortes et enterrées. Nous marinons, comme vous dites. Il faut bien vous enfoncer ça dans le crâne. Je n'arrive pas à y croire. Encore moins à m'y faire. Moi-même, j'ai connu de mon vivant des aventures carabinées. Et celle-là, plutôt forme de café, non? Cette perception sensorielle, extrasensorielle, comme si tout était exactement pareil, sans que ce soit la même chose. Comme si nous avions été simplement retournés, comme un gant. Et cette subite confrontation au néant, à notre propre néant, alors que l'univers entier continue de rayonner dans son obscure plénitude. On voit que vous évoluez dans le chêne. Moi, coincée comme je suis dans le sapin, je ne peux pas me permettre d'avoir toutes ces pensées de luxe. Le bois ne fait rien à l'affaire. Sans compter que vous avez les coudées franches. À vous entendre, ma mignonne. Comprimez, de mignonne, comprimez. Ces salauds-là, s'ils n'avaient pas craint, qu'en dira-t-on? Ils m'auraient jeté dans la fosse commune avec les bolcheviques. Mais je les attends au tournant. On nous va bien rigoler. Bande de cul-de-jac, de mornets, d'avertis, de solognons. Je vous en prie, Babette, mais ne vous montez pas de bourrichon. Oh, bourrichon.
bruchon. Train de marchandises. Bien sûr. 47 wagons, 82 km/h, pas une vitre. Drôlement carré. L'habitude, depuis 12 ans que je suis ici aux premières loges. Bon, c'était les vaches qui calculaient tout ça. Qu'est-ce qu'ils transportent votre train de marchandises? De l'engrais, des tonnes d'engrais à répandre dans les champs pour produire davantage. C'est ça qui pue tellement. Toute cette pétrochimie, évidemment, ça ne sent pas le bain de joie. Des fois, quand souffle le vent d'ouest, j'enfonce carpe, métacarpe, radius et cubitus jusqu'au fond de l'occipital tellement ça pue. Vous n'y allez pas de main morte? Où est le bon fumier d'antan? Oh. Oh, le fumier! Et tout ça pour empoisonner les survivants. La récolte de blé a quadruplé, quintuplé. Mais mangez un morceau de pain maintenant. C'est comme si vous avaliez du vent. Là, je vous suis entièrement. Et les animaux, ils en prennent aussi pour leur grade. Le foie de veau. Considérez le foie de veau, par exemple. Le vrai veau est d'un côté, le vrai foie est de l'autre. Dans quoi tordez-vous vos dents exactement? On est en droit de se le demander. Et les poules? Les poules qui pondent des œufs de morue avec un jaune qui vous flanque la jaunisse. Et un blanc qui vous diminue génétiquement. J'ai eu l'occasion. Invitez! Aujourd'hui, Christophe Colomb a dîné. Mettez un œuf coq dans son assiette. Ne dites plus un mot. Allumez les bougies. Il aura beau écarquiller les mirettes. Bernique l'Amérique. La forme de l'œuf est tout de même restée identique à celle du 15e siècle. Plus pour longtemps, croyez-moi. Et tout le reste à maintenant. Tenez, cherchez-moi un trèfle à quatre feuilles. Si vous tenez à ce que je me rompe les os. Avec leurs engrais, vous en trouverez à 7 feuilles, à 13 feuilles, à 1000 feuilles. Mais le bonheur n'est plus rien que des grossesses nerveuses. Et les vers de terre, de plus en plus mous. Ah, vous l'avez également remarqué. Des larmes. Si vous voulez, mon avis, des larmes. Vous entendez? Le vol pour Tokyo. Oh, oh, ça va très mal, Jean. Pas vous. Mais alors, vous. Mais vous aussi, vous êtes un décrotable. Un décrotable? Mais votre pessimisme, ce serait le vol pour Buenos Aires. Vous diriez que ça va très très mal en Argentine. Mais comment? Ça va très très mal en Argentine. Ça va mal partout. Où que vous dirigiez les feux éteints de vos envies, ça n'est pas Jojo. Jojo, vous voyez ce qui se passe en Cachemire? Ou encore, on ne nous dit pas tout. Oh, les Cachemires. Oh, les pullovers. Une vraie salade russe. Depuis que tout le monde se croit malin parce qu'il a égurgité Freud, Servino, Bob, et tous les nouveaux psychopons, à nous le pompon. Non, pomponnette et pompatron. Vous pouvez plaisanter. De plus en plus tordu, nos congénères. Et je ne vous parle pas politique. Non. Non. Non, je vous en supplie, ne parlez pas politique. Avec ces idées de gauche qui renforcent celles de droite, l'homme, à présent, cherche à s'exploiter soi-même. C'est beaucoup plus fatigant que d'exploiter son prochain. Reconnaissons une chose. De nos jours, ce n'est plus une sinécure d'être vivant. Il faut beaucoup de santé. Beaucoup de santé. Et pour arriver à quoi? Encore ce corbeau? Il me nappe. C'est bizarre. Sa voix ne m'est pas étrangère. Allons. Voilà du nouveau. Furet! Satanin! Promoteur! Mais voyons, Babette, mais si bon, mais qu'est-ce qui vous prend? Ah, si vous voulez serrer le kiki. Mais je comprends mal votre vindicte.
Chut. Je me suis trompée. C'est celui-ci le vol de Tokyo. Boeing 737. De toute façon, qu'il aille à Tokyo ou à Lima, ça nous fait de belles chances. Vous êtes allé au Japon? Non, jamais. Moi non plus. Mais par la télé, je connais comme ma poche. Il est vrai que grâce à la télévision, nous pouvons visiter tous les pays du monde, les contrées les plus excentriques, sans bouger de notre fauteuil. Et sans se faire vacciner. Et sans subir la douane. Vexation policière, question grossière, fouille dans votre soutien-gorge. Je ne peux pas aller voir en plateau, moi, les Japonais. Tous des faux. Des faux. Des faux. Des faux quoi? Des faux chinois. Tous des faux chinois. Vous allez un peu vite, ma belle. Si vous observez minutieusement les Japonais, vous verrez qu'il existe des différences sensibles avec les Chinois. Peut-être. Mais il faut disposer de beaucoup de temps. Leurs yeux, par exemple, ne sont pas bridés de la même manière. L'œil d'un Japonais louche davantage vers le ponant. Vous reconnaissez qu'il louche. Leur taille non plus n'est pas la même. La taille d'un Japonais serait identique à celle d'un Chinois si elle était plus petite. D'où, lorsqu'il vous rencontre, ses courbettes précipitées à ras du nombril et sa façon de se redresser après illico presto et de se tenir devant vous droit, aussi raide qu'un banc. Raideur toute diplomatique. Son vocabulaire, bien qu'il emprunte aux langues agglutinantes, fourche également dans une autre direction. Il prend appui sur la deuxième glotte, dite glotte des Mongols, et tend, outre les inflexions planes ascendantes et descendantes, vers des inflexions circonflexes. Yeah. Ainsi, lorsqu'un Japonais vous susurre Mowata, y'a pas Mowata. Cela peut signifier, selon l'intonation, la densité de l'atmosphère. Tu es l'étoile du soir. Eh bien, je vais te faire la peau. Pas franc du collier, le moins qu'on puisse dire. Mowata, pas si fort. Y'a pas Mowata. Et puisque j'ai parlé nombril, le nombril d'un Japonais ne présente pas à l'œil nu le même relief que celui d'un citoyen de l'Empire céleste. Il tournoie davantage autour de son centre et fait beaucoup moins litchi. Litchi. Enfin, vous ne verrez jamais un Chinois se moucher dans son appareil photographique comme le font constamment les Japonais. Encore des chasseurs. Admettons. Mais est-ce que vous reconnaîtriez le squelette d'un Japonais de celui d'un Chinois? Assurément, le squelette d'un Chinois est toujours en ivoire, sauf dans les familles les plus pauvres. Tandis que le squelette d'un Japonais n'est fait que d'une vulgaire corde voulant imiter l'ivoire. À l'usage des Américains, une pâle imitation. Ah! Quand je vous affirmais qu'ils étaient tous des fauchetons, jusqu'à leur squelette qu'ils fourguent aux Américains en les faisant passer pour des défenses d'éléphants. Oh, je n'ai pas dit cela exactement. Ramoneur, où te suis-je, pédé? Mais qu'est-ce qui vous a fait ce corbeau? Et il me lisse le poil. Façon de parler. En tout cas, vous avez l'air de vachement les connaître, le Jabs. Et pour cause, figurez-vous que j'ai eu une liaison avec un kamikaze. Mazette, un kamikaze, ça devait être terrible. Oh, c'était terrible. Nos jeux érotiques. Ah oui? Nos batailles plutôt. Oh, vous l'auriez vu se jeter sur moi. Oh, une opération suicide. Là, ma petite dame, vous êtes tombée dans le nid. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, il s'est tué en se ruant contre mon flanc. Ça alors ? Sa prodigieuse virilité,
ne pouvait s'affirmer que dans un climat sexuel d'exaspération, de violence. À chacun de nos ébats, le cher Asiat inventait de nouveaux et cruels raffinements afin d'atteindre le Kaoping. Le Kaoping. Le plus haut degré de l'extase, le Kaoping. Une nuit, la nuit fatale. Oh, mais non, je sens que je vais rougir. Ce serait trop beau. Ah oui, non. Oh, pardon, j'oubliais. Donc, je me trouvais nue sur le lit, cible palpitante. Lui, juché sur son trapèze de lac. Son trapèze ? Sa dernière trouvaille. Il avait installé un trapèze au plafond. Très beau trapèze. Voie laquée, incrustation de lac, à quelques mètres du lit nuptial. Donc, il se balançait là-haut. Complètement jaune. Bordant son arc, pour un moment précis, fondant du ciel, fiché en moi sa flèche imprévisible. Tu me parles de suspense. Lorsque brusquement, d'un bond de tigre. Oh, oh, la chair de poule. Vous me donnez la chair de poule. Alors, d'un bond de tigre. Je vous le confesse, la panique me saisit. Au moment où le bolide fonçait sur moi de l'Olympe, d'un propre mouvement, je réussis à l'esquiver. Aïe, aïe. La tête du valeureux Nippon donna sur la pendule en bronze massif de la table de mise. Chaos. Chaos. Sans pigne. Sans pigne. Il tomba sur le tapis, raide et mort. Plus raide que mort. Et très vite, plus mort que raide. Et la pendule qui sous le choc s'est mise à sonner, à compter les coups. 23 heures, je me souviens. 23 coups ? Non, pas 23 coups, 23 heures. 11 coups, 2 fois 5, plus 1. Oh, je l'aurais étranglé, cette pendule. Quelle histoire. On ne dirait pas, vous voir comme ça. Il y a encore des choses de ma vie que je laisse dans l'ombre. Faisant durer le plaisir. Mais c'est Fernand. Je reconnais exactement la voix de Fernand. Tu me doutais bien, ce corbeau. Fernand, les fous à la paix, Fernand. Dans les temps où je suis, tu n'as pas honte. La paix. Mais voyons, ma bête. Je t'ai reconnu, espèce de métèque. Tu ne me fais pas peur. Tu peux croasser tant que tu veux. Je m'en balance. Tu perds ton temps. Tu peux aller te rallier. Toujours aussi collant. Il n'a pas changé. Un sac qui est venu des Carpates, d'origine croate. Il n'arrêtait pas de me téléphoner, de me suivre dans les water. Fous-moi la paix, je t'ai dit, en plumet, avant à Tokyo si j'y suis. Je lui ai que mal bec. Voyons, voyons, ma petite Luciole. Est-ce que je vous ai déjà entretenu de Fernand? Parce que vous croyez que ce corbeau... Sûr. Un corbeau nommé Fernand, j'en mettrai ma main au feu. Donc, vous voulez dire que c'est Fernand... Un copain d'Alphonse. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser jusqu'au jour. Il y a bien 7 ans. On l'a descendu dans le trou. Bon débarras. Vous voulez dire que ce Fernand serait mort depuis 7 ans? Oui. Même que j'ai pas voulu assister aux obsèques. Donc, à vous entendre, ce corbeau, ce serait... Ce Fernand, ce serait métamorphosé en corbeau. Alphonse qui chialait. Mon meilleur ami, t'as pas de cœur. Laissez tomber comme ça, mon meilleur ami. Son meilleur ami. Qui m'avait sauté, oui. Le pauvre corbeau. Qui vous avait sauté? Un moment de faiblesse. Mais c'est que l'animal, lui. Il voulait toujours remettre ça. Un obsédé. Donc, à vous entendre, ce corbeau vous aurait sauté. C'est ça le malheur des femmes. Un type vous saute une fois, bon. Pour ajuster votre guêpière, vous allez vous taper une glace ou près de la rue. Mais lui, il ne décolle plus. Il ne pense qu'à récidiver.
Donc, votre galant qui vous poursuit jusqu'ici de ses assiduités, votre galant se serait transformé en charognard? Ça lui apprendra. Bien fait pour lui! Pas volé! Voyons, ma bête. Gardons la tête froide. Je sais bien. Analysons correctement la situation. Je sais bien que de ruminer jour et nuit dans un espace réduit. Comment expliquez-vous cette mutation? Ce passage régressif de l'Homo erectus à ce croisement volatile? Ça, je ne l'explique pas du tout. Ah! Mais vous-même, pourriez-vous expliquer que nous sommes là, squelettiques, enfouis dans la matière, sans aucun moyen audiovisuel, à discourir de concert tout en ressentant le tumulte du monde vertical? Tout à fait incompréhensible, je vous l'accorde. Mais à supposer que votre sauteur, ayant rendu son dernier souffle, se soit retrouvé un beau matin sur la branche d'un arbre, revêtant la forme de ce paquet de ténèbres toujours, la ferme est possible. Comment dois-je procéder selon vous? Primo,
Vous allez l'appeler, mais très gentiment, hein. Comme une tourterelle. Ce bourdon. Commençons par le primo. Appelez-le. Nous avisons ensuite. Bonsoir. Mais, Artémise, un squelette faire des avances à la corbeau. Je vous en prie, Babette, ne déplacez pas le problème. Soit. Boire le thé avec celui-ci.
une phalange de Porto avec celle-là. J'ai même songé. Chacun, à tour de rôle, aurait apporté son suaire, l'aurait tendu aux deux extrémités du cercueil et dessus aurait projeté le film de sa vie. Non, non, atroce, l'impossibilité de changer le scénario, l'envie de tout effacer, de tout recommencer. Trop tard. Oui, étrange, ce temps passé toute seule avec mes yeux à compter les temps. Combien de temps déjà? 10 ans? 100 ans? 1 minute? Le temps ne connaît pas le temps. Un beau monsieur. Il meurt. Tout en longueur. Cheveux gominés, souliers vernis, toujours en smoking. Le temps, ce grand maigre. Coucou, petit coucou. Coucou. La vie, la mort, quelle partie cache-cache. Coucou. Plus agréable à entendre qu'un corbeau. Babette va prétendre que c'est encore un de ses amants. Babette. Hé, hey, Babette. Tu m'entends? Pourquoi fais-tu la sourde oreille? Tu n'es pas froissée? Tu sais ce que j'ai dit hier sur la musique de Saint-Saëns? C'était pour dire quelque chose. Au fond, je m'en fous de la musique de Saint-Saëns. C'était vraiment pour meubler. Para matar el tiempo! Tiens, voilà que je me mets à parler espagnol. Babette! Ouais! Je suis là! Pas moyen de croupir. Que tu es casse-pied, toujours sur le qui-vive dès que tu combines. Et ne me dis pas que c'est le train de 7h22. J'en ai marre du train de 7h22. J'en ai marre de t'entendre dire tous les matins que c'est le train de 7h22. Oh chien, le train de 7h22. Bon, bon, eh ben ne te montre pas, Babette. Supposons que ce n'est pas le train de 7h22. Marrant, ça. Je peux jamais oublier. De mon vivant, c'était lui. Ce qui me bottait le plus, c'était de prélasser au pied. Jusqu'à midi, enfoncé dans les draps, jusqu'à la gare. Chacun prend son plaisir dans les draps qu'il trouve. Ouvrir l'œil le plus tard possible sur ce monde de connards. Depuis qu'on se tutoie, son langage devient franchement grossier. Mais il y a toujours un connard, justement. Toujours là, nous asticoter. Tu dors encore. À commencer par Alphonse. Ce salaud d'Alphonse. Prototype de tous ceux qui s'activent pour aller répandre leur néant. Tous ceux qui viennent de jouer du vent pour entamer mon vieux planète. Un jour, je vais lancer dans mes gencives. Vivement que je sois mort pour pouvoir faire la grasse matinée. Ça a dû lui couper le sifflet. Et maintenant, c'est toi qui t'y mets. Bon, bon, je ne dis plus rien, reste en boîte. Tu peux te rendormir si ça te chante. Foutu? Faudrait que je change de côté. Mais dans ce putain de cercle miniaturisé, tu m'as dit hier que tu avais rétréci. J'ai peut-être rétréci, mais pas assez pour patifoler. Tu entends, coucou? Et alors? Alors, rien. Faut bien que tu as une idée dans ta boîte crânienne. Non, non, qu'est-ce que tu vas chercher? Rien. Un coucou, c'est un coucou. Un chat, c'est un chat. Voilà, n'en parlons plus. Tu me parais bizarre. C'est le coucou qui est... Peut-être. Drôle d'oiseau. On ne le voit jamais. Tout pour la sono, rien pour l'image. Ne te fais pas penser à quelqu'un. Quelqu'un? Comment ça?
ça, quelqu'un? Je ne sais pas, moi. Quelqu'un qui aurait joué à cache-cache dans la forêt avec toi, par exemple. Un beau jeune homme qui t'aurait dit « Coucou, mademoiselle, si l'on s'étendait sur les myosotis. » Jamais pu faire l'amour en plein air. Trop peur des petites bêtes. Non, mais tu sais à quoi elle me fait penser? Ah, tu vois? Ah, ta pendule! Ta pendule qui balançait ses 11 coups sur ton jack pendant qu'il rendait son kaopi sur la carpette. J'avoue que je n'y aurais jamais songé. L'histoire la plus marrante que tu m'aies racontée depuis qu'on se fréquente. Tu veux mon avis? On n'a pas assez profité de notre corps. On n'a pas assez exploité toutes nos facultés. Ah, je savais bien qu'on était miné par en dessous. Mais pas à ce point, on l'a vraiment dans l'os. Comme tu dis. Tu crois toujours qu'on va ressusciter? Se retrouver d'un coup aux Champs-Élysées avec notre barbac et forniquer tous ensemble dans la Lécresse, ad vitam aeternam, à la barbe du grand vieux. Oh, ça peut être ça, le paradis, non? Ma bête, ton langage devient de plus en plus trivial, je te l'ai déjà fait remarquer. Merde, je te pose une question, tu ne veux pas me répondre, je tire la couverture, ciao! Oui, oui, allez, j'y crois, te rendors pas. La résurrection des corps est inscrite dans les tablettes. Ce sera le même corps, mais en plus chouette. J'en connais quelques-unes que ça arrangera. De toute manière, nous ne pouvons pas rester éternellement dans cet état. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Avant, c'était des chasseurs. Maintenant, des exercices de tir. Ils nous les cassent. Et d'abord, pourquoi ils ont choisi ce point-là? Ils ne peuvent pas faire ça ailleurs que dans un cimetière? Exercice clandestin, ma pauvre. Ce sont des Auvergnats. Des Auvergnats? Entraînés par des Guatémaltèques. Le MARD. Mouvement Auvergnat Révolutionnaire Démocratique d'Extrême Centre. Qu'il ne faut surtout pas confondre avec le MIRD. Les Guatémaltèques sont naturellement payés par l'Algérie, l'Algérie qui obéit aux ordres de Cuba. Marre alors, la bête. Oh, tu ne peux plus rigoler dans son trou. Marre. Qu'est-ce qu'il veut exactement, le marre? Programme en 3 points. Original. Primo, rallumer les volcans éteints. Secondo, faire de Saint-Flour un grand port de pêche. Tertio. Interdire le plateau de mille vaches au bétail argentin. En remarque, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Si j'étais auvergnat, tu crois qu'il y aura de la casse? Déjà 27 tués à Chicoutimi. Ils ont revendiqué. Ça, les morts? Non, le MARD. Et c'est quoi ton Chicoutimi? Une petite ville du Canada où un groupe auvergnat se trouvait en exil. Ils n'ont pas voulu verser d'argent pour le mouvement. Sans compter la prise d'otage à la bouboule, des boulistes pour la plupart. Pas de danger qu'ils nous prennent en otage. Non, pas de danger de ce côté-là. C'est le train de Limoges qui arrive. Ils vont certainement se planquer. Le train de 7h30. Exact. Mais tu fais des progrès, ma bête. Combien de wagons? 22 moins 2. Tout à fait exact. 20 wagons. Ce serait drôlement de balancer les autres derrière les trains. Oh, j'avoue que je me marrerais doucement. On tiendrait les codes, oui. Oh, miam, miam, de la chair fraîche. Oh, c'est peut-être ce qu'il faut faire avec ces côtés mal faits. Ils ont peut-être détourné la foi pour dissimuler les charges de plastique sous les traverses. Ou droguer les mécaniciens!
de Comité Lascar. Certes, il est plus facile de massacrer des boulistes sans défense que de s'attaquer ouvertement au chemin de fer. Et voilà. Pas assez, Muscade. Calme, plat. On va retomber dans le train-train quotidien. On va pas nous faire de la dépression. Marc. J'en ai marre. J'en ai marre, claque. Je vais plier mes phalangettes subtemporales, tasser la terre dans mes cavités et piquer un sacré roubillon. Ciao, Artemis. Bonne nuit, ma petite brouette. Bonne nuit. As-tu remarqué que roubillon rime étroitement avec goupillon? Ah non! La paix! Tu ne vas pas prendre le relais d'Alphonse! Laisse-moi dormir tout mon sou! La paix! Oh. La paix, mon grand pissenlit! Requestuat in pace! Quis? Quid? Ubi? Quibus auxilis cur? Commodo, quando, quis, qui, ubi? Quibus auxilis cur? Commodo, quando, quis, qui, ubi? Dis donc, Artemis! Mais ben quoi? Je croyais que tu dormais! Allèche! Avec tes litanies! Et un asticot qui me chatouille le pas de sucre! Dis donc, comment ça se fait que tu sois si calme? Qu'est-ce que tu entends par là? Tu sais tout ce qui se passe à l'extérieur! Le moindre pet, tu l'entends, à des kilomètres. Une seule bleuette dans un champ d'étrave, tu la flaires. Tu es surinformé. Tes. Ceux qui sont manipulés par les boîtes de tête, là. Grand, les Auvergnats. Oui. Mais j'avoue que je suis moi-même impressionnée par l'acuité grandissante de mes facultés extrasensorielles. Je ne vais pas attendre Madame Goubon extra-lucide à la fin du trône. Au début, j'étais comme toi. Les trains qui passaient, autant de courants d'air. Mais plus j'avance... Laisse-moi aller. En guise d'avancement, on fait plutôt du surplace. On occupe le terrain. La grève à perpétuité. Tiens. Les cloches. Il y a de la révolution dans l'air. Mais tu vois que tu n'es pas soudain et tu entraves à cause de botte. Oh merde, il fallait que je me mette à parler comme elle. Ces cloches, elles me foutent le bourdon. Bénédiction, céleste colloque, oh, sexe des anges, sexe entrechoqués. Si encore on était à Pâques, on pourrait en faucher le passager. Cavalier. Oh, pauvre Babette, Babette, c'est étrange, Babette. Je ramollis. Voilà qu'elle ramollit. Oh, oh, les sons glorieux chassent dans mes esprits. Les chérubins dressent leurs points de lait dans l'azur. Oh, la joue du métal balancée dans le ciel jubilatoire, frappée par l'auriculaire de l'ange. Tu ne te sens pas bien, Élise? Oh, ma bête. Oh, mon Dieu, signale. Si tu mettais ta main sur mes côtes, tu entendrais mon cœur. Il bat comme ses cloches. Un courant ultramagnétique me parcourt de l'eau. Je durcis, je m'amollis, je tiédis, je transpire, fou comme je transpire. Tu transpires, la mouillée calcaire. Mais toi, mon petit colibri, tu ne ressens rien, tes os n'exultent pas. Mes os, malgré ta pierre. Mais c'est Pâques!
Le jour de Pâques, précisément. Et alors? Un œuf de lumière, un gros œuf, et moi dedans, dans l'œuf. Moi, Artémise de Brincourt, née Duval, veuve cratère, 1m68, signe distinctif, néant, sans emploi. On ne te demande pas ton état civil. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mes os qui se gonflent. Un torrent de moelle se précipite dans mes os. Un torrent de lait, chaud, concentré, ionisé. Artémis, ce n'est pas à ton assiette. Oh là là, oh mon humérus. Quoi, ton humérus? Oh, Babette, oh, si tu pouvais humer mon humérus. Oh, tu deviens franchement répugnante. Oh, une odeur d'hyacinthe. Oh mon humérus, mon iliac. Mon péroné. Ah! 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 Elle m'a charpenté le crâne à tout la charpente! Ah! 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 Et mon métatarse! Il bombe le torse, mon métatarse! Oh! Et mes deux orphelins! Mes tibias! Oh oui, oui, mes petits, je suis là, mes petits! Mais c'est quand même moi qui suis votre mère! Je vais perdre une fée. Oh, Babette! Mes tibias se décroisent. Mes tibias s'élèvent. Mes tibias flottent devant mon regard vide. Oh là là. Oh là là. Salut, maigre drapeau de la nuit. Frangin irrécusable. Poison mortel des chevaux de l'aurore. Salut, le jour tout neuf, bel azur des océans. On m'appelle. Oh, me demandez-vous ce mot. Allô? Allô? Pronto, oui, c'est ici. Le prochain train? À vos ordres, madame, monsieur, mademoiselle peut-être. Vous êtes au-delà, souris. À qui tu parles comme ça? Voiture 11, place numéro 23, wagon de tête, non-fumeur. Oui, j'enregistre. Je fous tout ça dans mon petit crâne. Servega, Noé Scoupir, God bless you, ne pas tirer sur le signal d'alarme. Oh, je me prends dans la flèche bleue. Jamais je ne me permettrai d'être aussi familière. Yes! Comptez sur moi! Vous m'avez déjà compté. Oui, je suis toute oui. Numéro 782 Priya. 500 000 Billion. 07 00 00 1. Posture C. Faut se faire une raison, on n'est pas tout seul. Artémis, quand t'auras fini de jouer la poème-même. Dans 3 minutes, le temps de ramasser mon cure-dent. Vous êtes voilant, hein. Drôle, désopilant. Sorry, c'est l'émotion, vous comprenez? On a raccroché. J'espère que je n'ai pas défrisé, cher ange. Oh, jamais j'aurais dû dire poilant. C'est ta faute, Babette, à ton contact. Mon contact? Mon contact? Pas les jours même où tu es bien content de me contacter, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Oh. Chut, plus un mot. Pas une minute à perdre. Oh. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il t'arrive encore? La terre se dérobe sous moi. Des pans de ténèbres s'illuminent. Des rails. Je vois des rails étincelants qui se perdent à l'infini. Mais pour quel train fantôme? Quel train peut bien venir par ici? Elles t'ont complètement sonné, ces cloches. Voiture 11, place
numéro 23. D'après toi, Babette, ce sont de bons chiffres. Il n'y a pas meilleur. Inutile de discuter pour le moment. 23 plus 11, ça fait 44. Très bon, ça, de chiffres répétitifs. Et 44, ça fait 8. Et 8, ça fait encore 4 plus 4. Ça a vraiment du beau. J'ai des vapeurs. Il me vient des vapeurs. Excellent, excellent. Les chrysanthèmes vont boire du petit lait après cette sécheresse. Ça y est, Babette. Je tombe. Je vole. Je plane. Je décroche. Ce grondement souterrain. Tu entends, Babette? Oui, non, pas très bien. Mais d'où viennent ces rails? Cet homme là-bas, son cher, avec une casquette sur le crâne, comme un employé, il s'approche, il agite un drapeau. Parce que voilà, bien sûr.
super ambiance. Voilà, on était bien. Quel plaisir de jouer pour vous.